c'est la fin du vlog d'hier. La vidéo d'aujourd'hui, je crois qu'elle dure pas un quart d'heure. On a mis que l'intro parce que sinon la vidéo elle allait durer une heure. Donc générique de fin qui sort. Ouais, et coup, ça tout comme il a dit. Faut juste dire ça. Faut juste faire ça et. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, la suite de la vidéo d'hier que vous avez vue où c'est l'intro faite par Yuen. Et bah là, cette fois-ci, ils vont voir. Ça va être l'outro, donc le générique de fin. C'est ouf quand même que notre vie, elle est un générique. Le côté pratique, c'est que j'ai pas à reprendre de nouveaux instruments pour faire l'outro. Ouais. L'outro, on prend ça, mais on la met plus smooth, plus calme. C'est ça, je vais garder ça. L'intro, elle fait moins de 6 secondes, elle fait 5 secondes en tout. Donc elle est ultra short, vraiment efficace. Pour les grades, je vais les garder, mais elles vont faire des accords un peu plus plaqués. La basse, elle va toujours être là, et la batterie, elle va être pareil, un peu plus douce, moins punchy dans l'idée. Elle va être genre, pareil, toujours sur ce petit côté sautillant, mais plus légère, tu vois. Il y a moins besoin de bordel. L'outro, je peux la faire en mineur, mais tu sais, le mineur de l'espoir, genre. Le mineur de l'espoir. En gros, dans l'idée, au niveau des accords en dessous qu'on aurait, je vais pouvoir rebalancer ça directement. C'est ça, du coup, ça donnerait genre par exemple. Donc dans l'idée, genre un truc un peu genre mode c'est fini, mais c'est pas si grave. Parce qu'on revient. Abonne-toi. Alors abonne-toi. On va commencer juste par faire la batterie. Encore une fois, hein, c'est le plus important. Quasiment, vu que c'est ça qui va donner tout le reste de l'énergie. Donc elle est deux fois plus longue, elle fait à peu près 10 secondes l'autre. Ça va? Non mais c'est parfait, pas plus. Qu'est-ce qui nous fait ce con? Non c'est parfait, vraiment. Je vais juste réduire un peu la force des impacts des crashs là, des cymbales, elles sont un peu violentes genre là. Voilà, tu vois c'est plus smooth. Je vais revenir mettre du coup les claps et les tambourins comme pour le premier mais ils vont être plus doux. C'est vraiment genre histoire qu'on ait le même rappel. Pour ce qui est de la drum, j'ai l'impression qu'on est bon. Maintenant, on passe à la basse du coup, donc j'avais dit qu'on ferait. Ok, cool. Je veux avoir le même genre de délire, donc je vais utiliser le même synthétiseur que ça. Mais je vais un petit peu les modifier, je vais mettre dessus des arpégiateurs. L'arpégiateur c'est quoi? C'est un super truc de triche pour éviter à faire tout le clavier comme un connard. Ah oui, d'accord. Voilà. On va utiliser un système de variation aussi, et on va le faire aller sur plusieurs octaves. Et là je vais remettre l'autre synthétiseur en mode. Ouais, j'imite très bien et imite aussi un synthétiseur chez toi. À ton tour. Quelle angoisse. On passe à la guitare et reste un petit synthé. Un petit guitoune. L'idée, ouais, c'est d'aller chercher un peu une vibe un peu douce. Le vent l'emportera. Abonne-toi. Le vent l'emportera. Je n'ai pas peur de m'abonner. Ce qui est trop cool, c'est qu'en plus, là, comme tu dis, la mélodie que t'as fait, tu l'as fait sur un truc 8 bits parce que c'est VR&Co et c'est la ça. Saison 3 qui est axée VR&Co. Si jamais dans un an il y a une saison 4 qui est axée, je sais pas, plus. Voyage. Genre... On mettra un piano ou un. Ouais, c'est ça, tu mets un instrument. Incroyable. Une flûte de l'Inde, tu vois, et let's go quoi. C'est cool. Ouais. C'est comme ça qu'il l'a fait donc. Tout à l'heure, non, mais effectivement, c'est assez difficile aussi. Mais... Ah, j'essaie d'être objective. Non, franchement, c'est bien. Bah, c'est... Est-ce que ça ira dans très, une très vidéo bien. Ça va dans une vidéo.
dans le caveau. Ça prend une flûte devant. Ah ouais, ok. Ça fait trop. Ouais, j'aime trop la flûte devant. Limite, je préfère ça au 8-bit. Non, mais après, là, c'est pour le lol, les gars. Je vais pas vous laisser une flûte de pan, vous êtes des malades. Pourquoi? Bah, parce que, franchement, flûte de pan. Dans ce cas, les gars, regardez. Vous faites un voyage au Japon, je vous fais une version Japon. Caribbean. Voilà, complètement là. Ça, c'est pour blouson, ça. Bon bah les gars, moi j'ai fini en fait. Eh bah écoute mec. J'allais te dire Bah juste en fait, c'est terminé. On a plié, en fait, est-ce que pas plié le game là en une heure? Ouais, vous m'avez dit que vous auriez fini avant 7h. Quel boss. Il a même plié son portable en moins d'une heure. Ah j'ai pris chez son pote. Ah nice. Tu veux pas on chill un peu? Bah mec, on se boit un café et, bah ouais, et juste on chill quoi. J'ai même pas voulu la masteriser, ouais. Celle-là je te laisse à bas volume de base. Ouais. Et du coup ce qui fait qu'en gros un master ça va centraliser et tout compresser pour former un seul instrument. Alors que l'inverse là c'est un bounce, donc un mix out. Le mix out on entend vraiment tous les instruments différents. Tout le temps. Et donc du coup là je te les laisse en mix out de manière à ce qu'on puisse bien identifier qu'il y a genre une grade de chaque côté machin. Ça va être cool tu vois. Eh. C'est fait. Top. N'hésitez pas à comme aller ça. Sur The chaîne YouTube, évidemment. On met quoi comme lien du coup dans toutes les vidéos maintenant pour c'est You and Lerb. L'Insta en fait c'est les deux. C'est juste que je poste plus de photos que de musique, mais l'Insta c'est les deux. Et après ma chaîne YouTube c'est vraiment full musique quasiment avec un peu de photos. Insta YouTube c'est bien je pense. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve demain. Il y a une mise à jour sur Elven Assassin. Il y a deux nouvelles maps qui sont sorties et on les a testées pour vous. Voilà, on s'abonne. On arrive à 1000 abonnés, on passe 24 heures dans un casque de réalité virtuelle. Ouais, d'ailleurs on vient tester. Ça marche très bien, le live il marche super, on l'a fait, on l'a mis en place le live. Alors arrivons le plus rapidement possible à 1000 abonnés. Le live il marche. T'as 700 potes, invite-les. Et puis c'est bon, on est mieux.